Bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo unboxing tout simplement. Une vidéo unboxing mais un peu particulière, c'est pour Reptile Zone Création. Donc je vais vendre les créations bien sûr sur le stand à Arras. Donc là quelques jours avant, donc j'ai reçu le colis, le fameux colis des petites choses qui seront à vendre. Donc en même temps ça permet de montrer un peu l'emballage qu'elle met au niveau de ses envois quand elle envoie certaines de ses créations. Donc là, bah, un colis hein, tout simple hein, avec plein de choses. Donc bon, bah, pour l'instant, je ne sais pas encore ce qu'il y a exactement dedans. On va l'ouvrir pour savoir. Donc déjà bien ficelé dedans, donc on est sûr qu'il n'y a personne qui peut piquer un truc. Le carton a l'air nickel, hein, pas trop secoué non plus. Donc, alors à savoir que quand je fais une vidéo unboxing, bien sûr, je préviens pas la personne que je vais en faire une. Hein. Elle m'a envoyé le colis lundi, on est jeudi, donc je lui ai dit simplement hier que j'allais faire une vidéo dessus. Hein. Comme ça, ça gâche pas, ça permet pas non plus à la personne de surprotéger son colis pour faire bien devant les vidéos. C'est pas le but de la manœuvre. Donc bah là, on va ouvrir donc son colis, hein, bien sûr, hein, pour voir un peu tout ce qu'il y a. Donc c'est une jeune créatrice d'à côté d'Annecy, donc bah, que je voulais faire vraiment connaître parce que elle a une chose que moi personnellement j'ai pas, c'est-à-dire du talent. Donc autant le faire découvrir, puis en même temps elle est bien dans la passion des reptiles également. Bon, elle peut faire d'autres choses je pense aussi sur demande, mais voilà, je pense qu'elle méritait d'être plus connue, même quand je l'ai dit plusieurs fois, qu'elle mériterait d'exposer en bourse. Enfin bon, après j'espère qu'avec avec le petit coup de pouce que je vais lui donner, j'espère que ça pourra lui permettre d'exposer en bourse plus tard, parce que vraiment elle a le talent pour ça. Alors déjà on voit sur le colis, donc bien sûr une bonne protection papier bulle, hein, donc on le voit bien là dessus hein. Donc du papier bulle parle sur le dessus, donc très pratique. Donc là maintenant, donc on va ouvrir histoire de voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors donc il y a une partie au papier bulle là qu'on défait, donc je vais mettre le colis un peu sur le côté. Voilà, donc on sort les premières choses, et les premières choses sont tout simplement, ah bah, même un petit support également pour les manettes, c'est pratique hein. Un petit support qu'elle m'a fait, donc bon bah ça va être pratique sur le stand demain, donc avec le prix des manettes hein, bien sûr. Après une petite carte en même temps également hein, donc bien gentil de sa part là dessus hein. donc bah je l'ai réparé parce que c'est mon personnel hein, on va la mettre de côté hein. Puis bon, faut bien garder un peu de secret dans ce colis quand même aussi hein. Donc ça c'est la liste des prix, donc très bien aussi. Donc les fameux parchemins qu'elle fait, donc elle dessine elle-même hein. Donc là on peut voir le tortue, donc qui est tortue de mer, un petit bébé tortue de mer à 12 €. Tous les parchemins sont à 12 €, donc il y a aussi le caméléon, nous avons aussi une tortue de terre et un lézard à collerette dont le nom scientifique m'échappe, ça arrive, je me fais vieux on va dire. Donc tout ça protégé dans du papier bulle, donc j'y vais quand même doucement parce que tout est un peu fragile. Donc là nous avons donc un autre sachet. Alors là ce sont tout simplement les boules de Noël, donc super bien protégées également hein. Donc on va en sortir qu'une hein. Donc là c'est la petite tête de serpent et tout, donc en plus elle m'a fait les prix dessus, donc ce sera 5 € la petite boule de Noël. Donc il y a d'autres modèles hein, bien sûr hein. Il y a d'autres modèles, je vois du Gecko à crête, je vois du Pogona, donc il y a un peu de tout, donc bah, je vous laisserai découvrir ça sur le stand de dimanche. Donc après pour la suite, donc là on a encore un petit sac, voyons voir ce que l'on a dedans. Ah bah d'autres boules de Noël également hein. Avec d'autres modèles, donc voilà. Donc certains modèles j'ai l'impression que c'est des photos que j'ai envoyées qui ont servi, donc qui sont vraiment pas mal. Je vais essayer de pas craquer non plus hein, quand même, il faut que j'en laisse un peu pour tout le monde. Après là c'est des petites affiches dans des petits sacs, donc bon je verrai ça tout à l'heure. Ensuite qu'avons-nous d'autre? Ah là je pense que c'est d'autres parchemins, effectivement c'est d'autres parchemins bien protégés hein, donc en plus bien encerclés pour bien être maintenu dans le colis, donc nickel hein, comme quoi il y a un peu de tout et partout. Ensuite nous avons donc ah voilà, donc ça c'est des petites décos sapins, c'est marqué dessus, donc il y a 3 petites boîtes, on va voir ce que c'est qu'effectivement, voilà. Donc les décos sapins c'est tout simplement ça.
là, hop, on va essayer de bien vous la montrer. Voilà, une petite tortue tout simplement, hein, qu'on peut accrocher. Donc avec la petite ficelle, on peut l'accrocher sur le sapin tranquillement. Pour Noël, c'est parfait. Donc je pense qu'il doit pas y avoir que de la tortue. Je pense qu'il doit y avoir d'autres petits trucs. Oui, voilà, exactement. Voilà, un petit serpent de Noël. Hein. Voilà, donc pour garder un peu l'esprit terrario à Noël, hein, en petite décoration, puis même pas forcément pour Noël, hein, dans une pièce terrarium, ça peut être pratique, hein, puis c'est surtout très bien fait, bien décoré, donc très fragile quand même, hein, je pense, hein, parce que bon, c'est quand même bien emballé, on peut voir carrément dans le petit papier, pas... Un peu compacté également, parce que bon, compacté, on sait que ça maintient bien, donc c'est vraiment très pratique. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Donc il y a trois petites boîtes de ça, hein, donc je pense que c'est la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Et donc il y a une boîte déco sapin, une boîte donc qui est marquée dessus pendentif, hein, donc on va voir ça un peu vite fait ce que c'est. Si c'est pas refermé totalement, non, c'est pas refermé. Voilà, donc on va y aller doucement également, parce que bon... Le but, c'est pas de tout casser comme un bourrin, hein, même si j'ai la réputation de l'être. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est le pendentif. Voilà, ça, c'est un très beau pendentif. Hein. Alors, je sais pas trop quel personnage ça représente, mais je pense que c'est un personnage de manga, je pense. Hein. Mais voilà, on voit dans les finitions que c'est vraiment très joli, niveau peinture aussi. Y a du talent, hein, là-dessus. Hein. C'est clair que comparé à moi et mes petites boîtes, hein, je peux aller me rhabiller. Mais donc voilà, il y a un peu de tout. Donc vraiment bien protégé dans les petites pochettes. Hein, des petits pendentifs bien sympathiques. Alors la matière exactement, je ne sais pas en quelle matière c'est fait. Je pense que c'est de la fimo. Enfin, ça aura peut-être plus me le dire que moi. Il y a peut-être un autre modèle à montrer en pendentif. On va voir ça. Oui. Pour les fans de tortues, un petit pendentif en tortue de mer, hein, bien sûr. Hein, avec son petit cordon. Donc non, c'est nickel. Hop, on va rouler un peu ça et on va le remettre dedans. Voilà, donc différents modèles, hein, de pendentifs. Hein, je vais pas tous les montrer non plus parce que sinon on en a pour 3 heures de vidéo. Donc le but, c'est une petite unboxing, pas plus, hein, pas non plus tout dévoiler. Hein, je vous laisse venir sur le stand pour tout dévoiler. Ah ben, on avait le présentoir à magnettes. Et bah ben là, hein, maintenant nous avons donc ben, les magnettes, hein, tout simplement. Alors un petit magnète Gecko Léopard, donc Eublepharis macularius, hein. Je peux me la péter, je connais le nom. Là c'est une petite tortue, donc bah, là elles se sont un peu collées ensemble, mais il y en a deux. Hein. Une petite tortue de terre, vraiment très bien réussie. Hein. Je pense une Aldabrachelys gigantea en version petite, hein. Et une autre petite tortue de mer. Donc ça c'est des magnètes, hein, qui peuvent bien sûr s'accrocher. On va montrer sur le présentoir un peu ce que ça donnera le jour de l'expo. Voilà, donc... juste à les mettre comme ça et c'est nickel. C'est nickel. Bon, heureusement que j'ai un chevalet pour pouvoir le mettre le présentoir dessus, ça va être encore plus pratique. Mais voilà, donc les petits magnettes. Donc voilà, donc je pense qu'à mon avis, les petites pochettes qui sont là, c'est prévu pour les magnettes lors de la vente, hein, je pense. Elle a vraiment tout prévu là-dessus, non, franchement. Parce que bon, à savoir que moi, c'est pas une commande pour moi, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu prévu. Alors là, nous avons donc, je pense, un mug. Donc on va retirer un peu le papier bulle pour vous montrer ça. Alors, super bien emballé toujours, hein, plus que ce qu'il faut. Ah non, c'est... Ouais, c'est... Si, c'est... C'est juste magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc un mug peint, tout simplement. Donc peinture sur verre, donc c'est vraiment... un exercice de style vraiment sympa, puis on voit que les couleurs, les traits sont vraiment très bien. Donc alors il y a d'autres modèles aussi, je pense. Alors déjà on va remballer celui-là, hein, bien sûr. On va le peut-être dans l'autre sens, c'est tout simple déjà. Donc vraiment du talent là-dessus, hein. Là on peut le dire, c'est du talent. Donc parce que c'est vraiment fait, donc bah, je remettrai un coup de scotch tout à l'heure. Vraiment très bien emballé. Puis en plus, voilà, c'est. Donc il y a d'autres mugs aussi. Donc je pense que c'est la même chose. Je ne vais pas tous vous les dévoiler. Ah, ça, ça m'a l'air d'être un peu plus gros, je pense. Ou c'est monté à l'envers. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc vraiment un peu de tout. Donc vraiment très bien emballé. On peut voir encore. Hein, donc c'est encore très bien dans le. Dans le papier bulle, hein, donc vraiment ça n'a pas bougé, pas de casse ni rien, bien emballé.
Vraiment nickel, donc déjà pour les envois c'est pratique. Alors je vous mettrai dans la description de la vidéo quand même le lien de sa page si vous voulez la contacter, parce qu'elle peut faire également ce genre d'objet, mais en version comment dire ça, en version personnalisée. En fait, vous pouvez envoyer une photo de votre animal et c'est l'animal qui peut se retrouver sur un verre ou essayer de refaire en parchemin ou en pendentif, suivant les créations qu'elle fait. Alors, elle fait d'autres créations qui sont visibles sur sa page, notamment des boîtes et tout. Vraiment magnifique aussi. Donc, bah, n'hésitez pas quand même à la contacter, hein. Il n'y a pas de souci. Puis les prix sont vraiment attractifs, hein. Quand on voit bah, le prix d'un mug, pour vous dire, là je les ai pris sous les yeux, le prix d'un mug c'est quand même 7 euros. 7 euros pour un mug, vous en trouvez un dans le commerce avec une image qui est, eux ils ont imprimé dessus, vous revenez déjà à 12 euros. Alors que là, 7 euros, un mug qui est personnalisé, fait main, c'est du fait main, hein, donc bon, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment un bon petit colis avec des bonnes choses. On va remontrer un peu de parchemin quand même. Histoire de montrer un peu, bah là on voit bien un lézard, hein, donc je pense que c'est un Felzuma, hein, qu'elle a essayé de faire. Hein. Après on a d'autres tortues, hop, on va essayer de montrer dans le bon sens, c'est mieux. Hop, voilà, d'autres tortues en parchemin. Donc parchemin, je trouve que c'est une bonne chose, hein, c'est un bon petit truc. C'est de pas être évident à faire, je pense. Mais après, mettre sous cadre, en vitrine, ça peut être vraiment pas mal. Ou une table basse avec où il y a un espace en verre pour de la déco, ça peut être vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. En plus, voilà, donc fait main, fait par elle-même. Donc voilà, c'est. Je sais que je dois sans doute me répéter quand même pas mal, mais c'est voilà, c'est autant. Je préfère faire participer les créateurs français qui font vraiment leur truc fait main plutôt que les grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises, eux, c'est pour le bénéf, voilà, après Amandine, donc qui crée ça, elle, c'est pas pour le bénéf, hein, je pense qu'elle fait ça pour le plaisir aussi d'une part, et puis d'autre part d'essayer de faire plaisir également. En termes de collection, c'est vrai que c'est des pièces uniques, hein, parce que votre tortue ou votre serpent ou votre lézard qui est directement sur votre mug, quand vous voulez le matin, vous voulez prendre un café, hop, c'est votre animal qui est dessus. C'est plus gratifiant. Après, ça peut être fait aussi à titre d'hommage. Si vous avez par exemple perdu un animal et vous voulez garder auprès de vous, ça peut être une façon de faire également. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Donc c'est Reptile Zone Création. Donc je vous mettrai donc le lien de la page directement en description de la vidéo. Et puis comme ça, vous pourrez visiter, voire lui poser quelques questions. Puis si vous voulez en voir plus, voir tout ce qu'il y a à vendre, ou même vous faire plaisir avant les fêtes avec les boules de Noël, ou les pendentifs spécifiques aussi. N'hésitez pas à passer nous voir donc sur le stand L'Île aux Tortues à Arras. Je serai en compagnie de Tom, donc ma voix off, hein, qui donc m'aidera là-dessus pour cette journée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions également en termes de tortues, hein, au passage, hein, sur le stand. Et aussi un petit truc aussi à savoir, c'est que sur toutes les créations qui seront donc vendues sur mon stand de Reptile Zone Création, à savoir que 100% du montant lui reviendra à elle. Je prends aucune commission dessus, je prends rien dessus, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse sur ce coup-ci, c'est de la faire découvrir, de vous la faire découvrir, même pour ceux qui la connaissent, voir un peu ce qu'elle peut faire, et puis voilà quoi. Parce que bon, on connaît beaucoup les grands noms en terrario, les grands fabricants, machin. Mais après, pour ce style-là, c'est vrai que j'aime bien même pour les créateurs de matos, hein, j'aime bien faire travailler les petits auto-entrepreneurs ou les petits créateurs, même amateurs, parce que c'est pas une société, hein, c'est création amateur pure, artisanale. Donc voilà, je préfère faire connaître ces gens-là qui ont pour moi plus de mérite d'être portés, puis qui n'ont pas forcément la pub, qui les font pour faire de la pub comme il faut, voilà. Donc autant filer un petit coup de pouce. Alors même moi, si je suis pas professionnel ni rien, voilà, si je peux me permettre de faire un petit coup de pouce en étant sur une bourse, je vais pas m'en priver. Donc voilà, bon bah je vous dis à dimanche pour la bourse d'Arras, et puis bon bah n'hésitez pas à venir. À bientôt.